Écoutez Koé, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Voici une info intelligente. Merci Kenji. On apprend qu'aujourd'hui, on savait que la banane était bonne. Ouais. Oui, c'est bon. C'est vrai, on savait qu'on disait toujours. Et bien, il paraît que la banane, ça pourrait être un super aliment. Ah ouais? Les scientifiques se sont rendus compte, écoutez bien, que pour aider à perdre du poids et booster le système immunitaire et l'humeur. La banane, c'est bon. Parce qu'elle a de la vitamine B6, B12, du magnésium, du potassium, des fibres et des protéines. Mais, écoutez bien, la vitamine B6 améliore la santé de votre cerveau, de votre cœur, elle normalise le niveau de glycémie. La vitamine B12 aide également le cerveau, le système nerveux, tandis, et j'y arrive, que les antioxydants contenus dans la peau de la banane peuvent accélérer le métabolisme. Mais dans tous les fruits, donc ça fait rajeunir. Et c'est excellent si vous voulez perdre du poids. En gros, il n'y a pas que la banane qui est bonne, la peau de la banane. Mais dans tous les fruits, il ne faut pas retirer la peau des fruits, c'est compliqué. Mais ça tombe bien, Piette, nous allons commencer par toi. Pourquoi ? Puisque voici le grand jeu, banane ou pas banane. Mais attendez, on va pas manger la peau, les gars. Je vais vous poser une question. Écoutez bien. Les pommes et les poires, pas la peau de banane. Ce que je viens de dire. Si vous avez la bonne réponse, vous mangez une banane, vous l'ouvrez. Ouais. Si vous avez la mauvaise réponse, vous mangez une banane avec la peau. Oh non. Je vous donne une info, vous me dites si ça concerne la banane ou pas la banane. Mais vous dites banane. Ou par exemple, je vous dis, Julie, c'est long, c'est jaune, on dirait une bite. Une banane. Voilà. On y est. Vas-y. Piètre. C'est bon pour soulager les piqûres d'insectes. C'est bon pour soulager les piqûres d'insectes. Pas banane. Banane. Ah merde. Ah bon? Ah oui, ouais. De quoi? Tu frottes l'intérieur de la peau sur la piqûre quand tu te fais piquer. Ah ouais? Et ça soulage. Alors Piètre, je te laisse, je vais entendre le bruit. Hein. Ah mais le bout avec le trognon. Ah mais là il y a le cul là. Et bah mange le cul. Non, je vais au milieu. Ah au milieu, ouais. Attention. Mais ça se mange. Ah, ça croque. Ah, c'est rêche. C'est tout rêche. Ah, mais en vrai, ils disent de la broyer et de la mélanger avec autre chose, pas de la manger comme ça. Eh, on va être malade, les gars. Ah, mais avec le à l'intérieur, ça passe. Mais là, c'est rêche. Ah, mais moi, j'aime pas les fils dans Julie, les bananes, tu sais. L'Inde produit 25,6% de la production mondiale. L'Inde. Banane ou pas banane? L'Inde. J'ai envie de dire banane. L'Inde. C'est pas en Inde les bananes. Chut. Banane. C'est pas banane. Allez, vas-y, attention, tu croques. Mange que la peau. Au milieu, fais comme Piette, c'est mieux. Ouais, que la peau, que la peau. Prends que la peau. Ce bruit, il est terrible. Ouais. Oh. Bah, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Oh, ça sèche. Ça sèche. Ça enlève la salive. Ça enlève la salive. Ça me rappelle les fleurs, arrêtez, les gars. On continue. On joue pour Guiguette. Guiguette. Je reprends un peu. La cayenne lisse est une variété. Oh. La cayenne lisse est une variété. Banane ou pas banane? Banane? C'était pas banane, c'est l'ananas. Allez, on y va, tout le monde là est mal pour l'instant, j'adore ça. Le problème, c'est qu'elles ont été traitées et tout. Je suis pas sûr que ça Bérénice. J'ai connu un mec. Ah, c'est vrai que ça t'aspire toute la salive. T'as vu, ça aspire la salive. Bérénice, ça veut dire j'ai connu une banane dans une soirée. Elle avec ou sans gluten? Bérénice, quand elles sont mûres, elles sont meilleures. C'est facile. Pour la santé. Pas banane. Et non. Ah bon? Mais non, c'est pas bon, vaut mieux les manger quand elles sont pas trop mûres, machin et tout. Je suis sûr qu'il nous arnaque sur toutes les réponses. Non, toi oui. Les autres. Ah, toi t'avais raison, c'est bien l'Inde. Mais bon, je me suis dit que c'était plutôt drôle de devoir manger. Eh, on part à moitié, hein. Qu'est-ce que tu fais, eh? On n'a pas entendu, faut recommencer. J'ai pas entendu. Faut que ça craque. Faut que ça craque, madame. C'est bon, la merde, moi. Croustille. T'aimes bien avec la peau? Mais toi, mais elle, c'est un mutant. C'est un mutant. Vas-y, refais-le, mais y'a pas de gluten. Allez, reprends, je vais entendre côté. La balle. Ah bah ça, ouais, j'ai connu un mec. Elle a connu un mec dans une soirée. T'es connu pour hein. Oh là là, Jérémy. Jérémy, comment tu peux oser? On n'entend pas. Quoi? Écoute, lève-toi Bérénice parce qu'on ne voit pas la vidéo. On voit rien. Mets la banane dans la bouche. Il faut recommencer parce qu'on n'a pas entendu. C'est dommage parce que là t'es en état là où elle est maintenant, tu pourras plus la mettre ailleurs. Ah non. T'es obligé de la finir. Non mais vas-y. Ça te sèche pas ta salive? Bah, la peau de banane quoi. Bah ouais, évidemment, bien sûr. Et tu vois, et quand tu manges une noix de coco, bah c'est de la coque de noix de coco, quoi. C'est Piètre. Pourquoi encore? Il y a 89 calories pour 100 grammes. Oui, banane. Excellent, t'as le droit de manger ce qu'il y a dedans. Il m'en reste une ou pas? Ça je l'ai fait. Julie. Je suis prête à manger les bananes. Ouais. Mais de façon sensuelle. Il y a 20 000 variétés à travers le monde. Banane. Comment? Banane. Et non, pas banane, c'est la pomme. Allez, tu me la refermes et tu manges de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Bah, c'est bien, là. Attends, parce que ça pousse de l'autre côté. Oui, il fallait une double. Oh là, putain.
Je vais essayer, faut que j'essaye. Vas-y. Comment? Non, oh, tu craches pas. Ça a l'air space, non? Bah, ouais. C'est rêche un petit peu au début. Dans la bouche. Ouais. On vient d'inventer un truc. Maintenant, mangez les bananes, mangez-les comme ça maintenant. T'as vu, ça colle à la langue. C'est bon, hein? C'est dégueulasse. Ça croustille. Moi, je préfère la vraie banane. C'est dégueulasse. Ouais, mais c'est bon pour. Oh, tu as rajeuni. Mais tu as 24 ans. Ah, oui. Regarde, attends, je ne te vois pas, je regarde derrière mes cheveux. Mais c'est toi, Pietre. Reste avec toi pour la suite de nos conneries tout de suite.